Bien quoi les gars, on va se faire un vol de véhicule, épisode numéro 5. J'espère on va avoir des bonnes voitures à voler avec des missions sympatoches. Et c'est parti tout simplement. Alors là on est en session pleine, hein. Pleine de chez pleine. Sûrement des joueurs qui vont un petit peu m'embêter ou voilà, chercher un peu la merde, je pense. Mais c'est pour ça que je joue en session pleine. C'est exactement pour ça. Les gens ils me conseillent tout le temps dans les commentaires comment faire pour être tout seul. Me conseille de faire tout ça en session vide. Moi, c'est tout l'inverse que je veux faire. Je sais, c'est rare, mais j'aime bien. J'aime bien quand il y a du risque, tu vois. Allez, c'est parti. Trafic de véhicules, localiser véhicules. Et là, par contre, avant de lancer, je vous dis, on va sûrement retomber sur des missions qu'on a déjà faites, hein. Les véhicules seront différents, mais les missions, je pense qu'on va commencer à tourner en rond. J'ai à peu près tout fait. Alors, Tropos Rally, vous vous souvenez la dernière fois, c'était un putain de fiasco, là, la Tropos Rally que j'avais essayé de voler. Donc là, on espère que ça va. Allez, je vais essayer de la ramener cette fois. Ouais, je vais la ramener, j'en ai pas de Tropos Rally, donc vas-y, faut que je la ramène. Donc, elle est garée à un certain endroit. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Voiture sur le bord de la route arrêtée par la police. Voiture en train de rouler poursuivie par la police. Voiture sur un rassemblement tuning. Pour l'instant, je crois que je connais que ces trois options-là. Attends, elle est où? Elle est sur le bord de l'autoroute. Si elle est sur l'autoroute, c'est que forcément, elle s'est fait arrêter par la police. Donc, soit elle est arrêtée et qu'il y a un policier qui est en train de contrôler le conducteur qui est bourré ou je sais pas quoi, là on l'avait déjà vu ça. Ou soit on va arriver et puis il sera en fuite, le chauffard, et la police au cul. Donc on connaît déjà, mais c'est pas grave, hein. Les missions, voilà. Maintenant c'est plus trop une surprise, mais ça fait quand même une Tropos que j'ai pas dans mon garage. On va voir à quoi elle ressemble, comment elle a été modifiée. Et surtout il y a un peu de route à faire, donc les défenses de PNJ plus les joueurs. Avec toute cette route, ça va être chaud. Il y a la police déjà, il y a la police, il y a un hélico de police. Et j'en étais sûr. Voilà. C'était tellement sûr. Il va falloir que je récupère la voiture pendant qu'il se fait poursuivre par la police. Je vais aller super loin. Histoire de récupérer une voiture. Tiens, voilà, là il y a une Buffalo là. Je vais récupérer ça. Arrête-toi, frère. Hop, il va arriver vite. Non! Ah, le bat! Donne-moi ça, c'est pas grave, c'est pas mal. Tropos juste là. Tropos qui s'est pris mon. Oh, PNJ qui s'est fait éclater! Oh là là! Oh mon dieu, c'est n'importe quoi ce qui se passe là! Et la Tropos, elle est stylée, elle est rouge bordeaux, j'aime bien. Mais elle est rentrée dans l'hélico, donc elle a des dégâts, tu vois. Tu vois le délire? Avec des néons bleu turquoise. Voilà, il est mort, sauf que j'ai 3 étoiles. Génial. Vite, Lester, frère, aide-moi, Lester. Signal détectable, j'ai plus le time. Police, c'est fait. 4 200 $ de réparation déjà. Ah là 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 là. C'est quoi là? Une sourade. Je kiffe l'intérieur. Enfin voilà, on a de la route, hein, et là je suis sur l'autoroute, donc facile à me coincer. Évidemment, le plus gros danger c'est les Hydra, tout ce qui est avion de chasse et hélico d'attaque. Ça pue vraiment, ça, je peux rien faire, et de toute façon personne peut rien faire face à ça. C'est pour ça qu'il y a du suspense, tu vois. Je sais pas si je vais arriver en ville à mon QG. Ah ouais, en plus mon QG, de mon garage de voiture, il est à l'autre bout de la ville. Ouais, c'est chaud. On va faire un peu de route avec de la concentration. Cette fois, la Tropos, elle est pour moi. Je la laisserai pas s'échapper. Tant pis s'il y a quand même déjà 4 200 $ de dégâts. C'est pas grave. Je la veux quand même. Ma première Tropos. Donc là, on arrive en ville. Bientôt à l'entrée de la ville. Là. Bah, on est déjà rentré en ville. Il n'y a plus beaucoup de chemin à faire. Faut juste tenir que personne fasse attention à moi. Surtout.
Je suis à fond de balle, on peut pas aller plus vite. Oh là, oh là, oh là. Calmez-vous, on est à la fin, c'est pas maintenant qu'on va la détruire. Et voilà. Sans problème. Si, à part la police, c'était le seul problème. Ok, donc voiture livrée. Technique pour gagner, pour... Bon, tout le monde connaît ça, mais bon. Dès que j'ai le moindre dollar en liquide, je le mets tout de suite en banque. Ça peut paraître de la merde comme ça, mais je vous assure qu'avec le temps, ça vous fait économiser beaucoup de thunes, parce que sans vous en rendre compte, vous allez mourir, perdre 500$ par 500$. Vous allez vous suicider pour échapper à la police ou un truc, et vous allez perdre encore 500$. Au bout d'un moment, ça revient cher. Je vous assure que dès que vous avez genre 5000$ en liquide, mettez-la tout de suite en banque. Enfin voilà, c'était une petite astuce, ça. Pas vraiment une astuce, mais un conseil plutôt. Et donc on va s'en faire un deuxième, normal. Véhicule, mon hélico, mon fidèle hélico, et on y va tout de suite. On va au bureau, on va lancer une deuxième, on va voir quelle voiture. De toute façon, il reste encore pas mal de voitures, hein. J'ai beaucoup de super sportives, mais j'ai pas beaucoup de sportives simples, de sportives classiques, j'en ai encore moins. Ouais, il y a beaucoup de voitures encore à voler. Maintenant que tu m'appelles, toi, oh! J'ai livré il y a 20 ans. En retard, toi. Hop. Poseille. Au suivant. Prochain vol. Fais péter la bagnole, frère. Hop. Timing précis. Coquette classique. J'ai pas déjà ça. On s'en fout, de toute façon, elle est bien, mais il me semble que j'ai déjà. Bah, j'ai fait tellement de vols que je perds la tête, ça se trouve. Bah, on va aller la chercher. Hein. Je parlais des sportifs classiques. Comme quoi, j'en avais pas beaucoup. Et bah, voilà. Le jeu m'a écouté. Mais non ! Ah. N'importe quoi. Du coup, j'ai appuyé sur croix pour courir. J'ai décroché sans le vouloir. J'ai pas lu. Et étant resté en vol, il y a 14... J'ai 14 minutes. Donc ça, c'est la première fois que je le vois, les gars, par contre. Que j'ai un temps pour la voler. Un minuteur de 14 minutes, je sais pas, j'ai jamais fait. Bah écoute, 14 minutes, ça me semble largement faisable. Hein. À part si c'est une mission de fou. Mais je crois qu'on a une mission inédite, jamais faite en vidéo. Enfin, dans mes vidéos. Parce que ça me dit rien du tout, ça. Ou alors le temps restant, il s'est mis parce que je suis rentré dans mon bureau, en fait. C'est peut-être ça, ouais. Peut-être ça n'a rien à voir, en fait. Hop. On saute avant de se faire viser par un lance-roquette. Et du coup, c'est quoi? C'est une maison de riche qui a la coquette, c'est ça? On dirait. Ah, pas du tout, pas du tout. Elle est en train de rouler. Elle est là, elle est en train de rouler. Vite! Elle est juste là. C'est stylé de voir ça rouler en ville. Regarde. Tu roules en ville, tu vois ça, mais t'es refait. Elle tue, je kiffe les voitures classiques. J'ai eu le temps de la voler, de sortir l'outil et tout pour la voler, il a rien fait le mec. Wouhou! Ah, j'adore. Ah, les voitures classiques, j'aime bien. Surtout celle-là, elle a un design. Bon. Oh merde, c'est un joueur, j'ai fait le con. Là, il me poursuit, c'est certain. Non, il me poursuit pas. Je suis refait. Hop là, c'est vrai que la maniabilité des voitures classiques, elle est pas toujours superbe. En particulier pour cette voiture. Eh, ça a été rapide, là, attention. Si c'est trop rapide, je vais devoir en faire un troisième de vol. Parce que là, ça me semble trop facile. Aucun problème, aucune défense. J'ai même pas dû tuer le mec, je l'ai juste sorti de la voiture. Aucun joueur. C'était trop rapide. Regarde. En plus, 0$. Aïe, aïe, aïe. Une des rares 0$ que j'ai fait. Aucun coup de réparation. Hop. Ça, c'est fait. Ok, voilà, ça, c'est fait. Les gars, hop, j'avais oublié de vous montrer la dernière fois. Donc, Warstock. Et j'ai...
Donc, comme j'ai fait la mission Rocket Voltique, eh ben, je l'ai débloqué en tarif spécial. Tu vois, si tu réussis la mission, voilà, elle est à 2 880 000. Pour exemple, j'ai pas encore fait la mission du pick-up armé Aqua. Il est à 1 489 600 $. En tarif spécial, j'aurai à 1 120 000 dès que j'aurai fait la mission et que j'aurai réussi. Donc pour l'instant, j'ai le Buggy Ramp, le Wedge, le Blazer Aqua, le Westlander, la Rocket Voltique. J'ai aussi la Runner 2000. Non, je l'ai pas. Bah, j'ai déjà fait la mission, mais c'était pas moi qui l'avais lancée en fait. Enfin, voilà, elle coûtera plus d'1 000 000 en moins quand j'aurai fait la mission. Vous avez les tarifs spéciaux hein, quand vous faites les missions. Voilà, c'était juste ça. Non, ça ira, je pense. Parce que là, si j'en fais trop dans la même vidéo, trop de vols de véhicules dans la même vidéo, j'aurai plus de voitures à voler, j'aurai plus de place, plus de choix de mission. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour ce vol des véhicules. Moins compliqué que celui que l'épisode précédent. On va vérifier vite fait si j'ai une deuxième coquette classique. Coquette classique, une. Et. Ben non. Non, non. Je pense que c'est bon. Coquette classique que j'ai volé. En fait, j'ai confondu avec la Mamba, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Et ben voilà, les gars. J'espère que ce vol de véhicule vous aura plu, que la vidéo aura été satisfaisante. N'est-ce pas? Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, les gars. Salut! On se connaît, up, tu n'as pas m'aimer. On prend tout ce qui nous arrive à part aimer. Je perds un pote pour une part du béné. Raclure, on se connaît, up, tu n'as pas m'aimer.